Tabarnak. Salut les vététistes. S'il est un des endroits de France que tout vététiste se doit d'y poser ses ronds un jour, c'est bien les fameuses terres noires près de Digne. En cette fin août, et après de multiples reports dus à la pandémie du Covid, nous avons enfin pu y passer quelques jours. Les paysages y sont splendides, les possibilités de roulage mythiques et le terrain de jeu est juste parfait, voire magique. Nous avons choisi comme site d'hébergement le gîte des Terres Noires à Drex. Idéalement situé à deux pas des magiques Terres Noires et de leurs multiples singles de folie, Caroline et Marc nous accueilleront au choix, soit dans les deux chambres d'hôtes qui sont attenantes avec possibilité de 4 couchages, soit au studio indépendant décoré avec goût et possédant tout le confort nécessaire avec possibilité de 2 voire 3 couchages si grand. En plus, à votre disposition, vous avez un garage pour ranger vos vélos et vos affaires de VTT, voire vos motos si vous êtes motard, de quoi faire quelques menus réparations si nécessaire ou l'entretien des vélos, et un air de lavage à l'extérieur avec tout le nécessaire, karchère, jet d'eau, etc. La salle commune avec baie vitrée à 270 degrés sera l'occasion de prendre les repas communs préparés avec Caroline, c'est une option, et de préparer vos prochaines escapades, qu'elles soient en VTT, randonnée pédestre ou découverte de la région en moto. Vous disposerez également d'une belle terrasse exposée plein sud pour flâner après une bonne sortie ou le soir venu admirer les étoiles sans aucune pollution lumineuse, un vrai luxe. Marc, un vrai passionné de la région, sera être à votre écoute pour vous conseiller les meilleurs tracés correspondant à vos attentes. Il pourra même vous fournir des traces GPS. Une seule condition, les garder pour soi et ne pas les divulguer. C'est bien normal. Vous le savez, je ne fais jamais de placement de produits, mais nous avons vraiment passé un super séjour, donc je tenais à vous faire partager ce superbe endroit. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Caroline et Marc par téléphone ou via leur site internet. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo.